parfois on est obligé de composer avec des financements qui sont privés. Et à ce niveau-là, effectivement, il faut bien tenir compte de contraintes qui peuvent être issues, soit pour l'utilisation de données, soit pour la diffusion des résultats. Et là, peuvent se poser effectivement des difficultés éthiques. Et le fait aussi qu'il y ait une certaine distance hein, entre les milieux, je parle principalement pour les sciences sociales, entre donc un milieu, on va dire, africain ben, qui est plutôt dans l'analphabétisme où il faut traduire ben, les protocoles de recherche, etc. Donc là, se pose effectivement la question donc, de consentement qu'on peut demander, par exemple, pour faire la recherche ou d'expliquer la finalité même de cette recherche. L'autre difficulté hein, pour les questions éthiques, on est sur des questions de valeurs. Donc, les valeurs peuvent changer en fait, d'un endroit à un autre et on est très souvent hein, dans les questions éthiques sur les valeurs ou sur des considérations qui peuvent être religieuses, culturelles ou du point de vue, on va dire, des droits internationaux. La question d'éthique, en fait, elle est surtout acceptée, pratiquée dans des domaines comme la santé. Dans le domaine des sciences sociales ou des sciences de l'environnement, la question éthique est une question qui est plutôt nouvelle parce que, ben, justement, les chercheurs peuvent considérer que en soi, leur pratique scientifique a des considérations éthiques, puisqu'ils travaillent pour la société, ils travaillent pour le bien de l'humanité. Or, réellement, ces questions éthiques peuvent se poser aussi dans la pratique. Comment se comporter quand, dans sa pratique de recherche, on observe des pratiques qui n'ont pas forcément un lien avec sa recherche, mais qui posent réellement qui remettent en cause un certain nombre de valeurs, soit des valeurs culturelles ou ses valeurs personnelles. Est-ce qu'on va privilégier sa recherche ou est-ce qu'on va essayer de protéger ses valeurs, sachant que derrière ces valeurs, il y a des personnes. Un comité d'éthique, moi je dirais, c'est un comité qui est censé regarder si les pratiques de recherche respecte bien, en fait, en particulier les recherches qui impliquent l'être humain, pratique et respecte réellement le bien-être de cette personne, ne met pas en cause ou en danger cette personne. Donc l'éthique, on le sait, hein, c'est la bienfaisance et éviter la malfaisance, surtout faire un équilibre entre le bénéfice et le coût. Est-ce que cette recherche-là est bénéfice pour la personne qui est impliquée? Est-ce que cette recherche-là ne met pas en danger cette personne-là? Ou si elle la met en danger, quel est le rapport entre le coût et le bénéfice? Donc, les questions d'éthique plutôt se posent de ce côté-là.